Alors, je vais chercher un certain Kadir qui m'avait fait passer pour un crabard. Et il y a Oula, tu fort parles même en longtemps. arabe là. Ah ben attends, moi je suis un Benetton, hein, c'est ça qu'ils n'ont pas compris. Moi j'ai toujours vécu avec des Noirs, des Arabes, on a toujours été ensemble. C'est ça le problème, c'est que même quand les gens ne comprennent pas, ils ne savent pas qu'ils sont mes amis en fait des fois. Ils se rendent même pas compte. Des Portugais, des trucs. En fait, nous, on se considère même pas comme quand entre nous, on dit rebeu, renoir. On sait même pas si l'autre c'est un Tunisien, un Marocain, un Algérien, sans Bayern, ou c'est un Timal, truc. Bon, moi, rien à foutre. Tu traînes avec nous, t'es avec nous, t'es pas avec moi, ni ta race, t'es un renoir, je t'écrase la tête, t'es un rebeu, je te dis ta race. Ouais, c'est ça que tu m'expliquais hors caméra, si tu me disais qu'il n'y a pas de. Toi, il n'y a pas de frères de couleur, c'est plus des frères d'armes. Exactement. Tu sais, nous, dans notre cité, moi je t'ai connu pour ça, de là où je viens. Nous, comment on vivait, je vais t'expliquer comment ça se passe. Toujours, quand tu as un embrouille, que ce soit noir, blanc, jaune, vert, tu vois ce que je veux dire? Notre truc à nous, c'est les Benetton. On fait partie des Benetton. On n'en a strictement rien à foutre. Si mon pote Abdel a un truc dans la dernière minute, écoute, je ne vais pas réfléchir si c'est un cousin Renoir ou je ne sais quoi, parce que je n'ai pas de cousin Renoir, tu vois ce que je veux dire? Je lui nique sa race. Et un tel et un tel. Et ils sont comme ça. Et ça a toujours été comme ça, Grigny la Grande Bande. Tu vois, jusqu'à maintenant. Un jour, j'étais à Bercy, il y avait une bagarre pendant que je m'embrouillais avec Tia Congo. Ils ont voulu jeter des bouteilles, certains supporters de Tia Congo. Ils ont pris des droites par des mecs, ils voyaient des babtous, des gens. Ils ont pas compris. Ils ont dit, mais c'est qui ces mecs-là? Ils croyaient que je traînais avec des Black Panthers. Mais moi, j'ai pas de Black Panthers. Ils voient un petit blond, un Renoir, un Romeu qui saute dessus et qui leur chute. Ils ont rien compris. Pourquoi? Parce que nous, je parle pas de tout, hein. Après, on n'est pas dans un monde idyllique, on connaît le racisme, le communautarisme, etc. Mais nous, on vit de cette manière-là. C'est pour ça qu'on vit de Greenwood. Tu vois? Mes copains, sans faire exprès, souvent tu m'entends prononcer des mots en rebeu, ou des mots même en En chinois, turc. même en turc, ou je peux même te parler en laotien. Pinakonakranlulu! C'est une grosse insulte. Tu vois, entre nous, on connaît plein d'un. On apprend tous des gros mots depuis qu'on est tout petit, on traîne ensemble. On a mangé de tout ensemble. Polonais, nanani. On s'en bat les reins de vos trucs. Alors Mais nous, il laisse aussi. exactement, de partout, on s'en bat les reins. Nous, on aime bien ou on t'aime pas, et ça s'arrête là. Tu vois? Maintenant, là, c'est pour ça qu'on me dit, on parle de racisme. Le racisme, il y en a partout. J'en ai rien à foutre. Il y a des Renois, ils aiment parler de Renois. Regarde, comme je disais, Kery James, Constat Amer, la chanson, elle dit tout. Les Algériens contre Marocains, Marocains contre Tunisiens, les Antillais contre l'Africain, etc. Ça existe. C'est ce que j'ai vécu en sortant de ma. Ça existe, tu sais. Mais même chez moi, ça existe. J'ai même eu des copains à moi, je vais te dire. C'était les premiers Black Power, c'était trop marrant quand j'étais petit. Et puis un jour, il me fait ça. Ouais, Patrice, je suis marié. Je dis, ouais, pourquoi? Et tu sais, le mec, il disait, ah, les Arabes, nanana. Il avait toujours, tu sais, son jeu. Il dit, ouais, t'avais quoi? Les blancs, nanani. Il disait même, le seul truc blanc qui se mélange avec mon café, c'est le lait dans mon café. Tu vois, le mec, comment il parlait. Puis, 10 ans plus tard, je dis, ouais, je suis marié. Il dit, ouais, tu sais quoi? Il avait honte, il voulait pas me dire. Il dit, avec une babtou. C'est parce que les premiers qui disent ce genre de conneries, les premiers qui disent, ce sont des putains de complexés. Tu vois? Les premiers qui sont en train de faire leur communautarisme et tout ça, c'est des mecs qui ont des gros complexes d'infériorité. Les premiers qui viennent raconter tout et n'importe quoi, qui viennent de t'es nec, tu pues, t'es blanc, t'es truc, t'es juif, t'es comme ça, T'es un t'es arabe, t'es ceci, un t'es cela, voleur. t'es un arabe, t'es un voleur. Mais regarde la preuve, ce sont même c'est nos propres confrères. Qui appelle blédard? Qui appelle blédard les trucs? C'est nous-mêmes. Alors c'est nos propres parents qui ont débarqué en France, qui frottaient le sol, et à un moment on appelle, c'est les parents de certains, mes parents, ils m'ont fait comprendre que faut pas parler comme ça. Mais quand même Alpha 520 le répétait aussi, il avait bien raison. C'est qui les blédards? C'est tes parents, c'est ton truc. Alors déjà tu es raciste contre tes propres communautés. Quand vous arrivez au bled, hein, où vous jouez les Français, quand vous arrivez ici, vous dites non, non, non. On la connaît, aux Antilles c'est pareil. Et après maintenant vous pleurez quand vous êtes reçus comme des merdes. Parce que même au pays, même aux autres pays d'origine, on vous considère même plus comme ça. Je l'ai vécu aux Antilles, quand j'arrive là-bas, maintenant on a l'impression d'être des étrangers, parce que, à cause de merde comme vous, de putain de petits qui croient qu'ils ont monté dans le truc, des racistes de merde, et qui se disent, qui parlent du racisme des autres, mais qui parlent pas de leur propre racisme.